Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'avais le goût, depuis longtemps, de faire cette capsule, mais manque de temps. Et oui, toujours ce manque de temps, n'est-ce pas? En fait, vous êtes très très nombreux à me demander la signification et bien des différentes couleurs des plumes d'ange qu'on peut rencontrer. Donc voilà, je prends enfin le temps de vous faire quelques capsules en vous expliquant les différentes couleurs des plumes d'ange que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je vous souhaite une belle écoute des différentes significations des couleurs d'une plume d'ange. Les plumes d'ange sont souvent perçues comme des signes spirituels ou des messages de la part des anges ou d'autres entités spirituelles. Et chaque couleur de plume est associée à une signification particulière qui peut varier, n'est-ce pas, en fonction des croyances personnelles ou des traditions spirituelles. Eh bien, voici quelques-unes des interprétations courantes des couleurs des plumes d'ange. Et aujourd'hui, c'est la plume bleue, communication et paix intérieure. Une plume bleue est un signe d'encouragement à exprimer vos pensées et vos sentiments. Elle est associée, à la paix intérieure, la sérénité et la clarté mentale. C'est un rappel, de rester calme, et centré. La plume bleue est un symbole spirituel puissant, souvent lié à des thèmes de communication, de paix, de guérison et de connexion spirituelle. La couleur bleue elle-même est associée au ciel, n'est-ce pas? Elle est associée à l'eau et à l'infini, ce qui confère à la plume bleue une signification profonde dans de nombreux contextes spirituels. Voici une exploration plus approfondie des différentes significations possibles, de la plume bleue. Le bleu. Ah, le bleu, j'adore le bleu. Et la couleur traditionnelle associée, à la gorge, au cinquième chakra, le chakra de la gorge, qui régit la communication et l'expression de soi. Trouver une plume bleue est peut-être un signe que vous êtes encouragé à exprimer vos pensées, à exprimer vos sentiments et vos idées de manière claire et authentique. Cela peut aussi signifier qu'il est temps, qu'il est temps de parler ouvertement et honnêtement, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles. La couleur bleue est souvent associée, à la paix et à la tranquillité. Une plume bleue peut être un signe que la paix est à portée de main ou que vous êtes en train d'entrer dans une période de calme et de sérénité. Elle peut vous inviter à rechercher la paix intérieure, à calmer votre esprit ou à créer un environnement de paix autour de vous. Si vous traversez, par exemple, une période de stress ou de conflit, la plume bleue peut être un rappel de l'importance de la tranquillité et de la méditation. Elle est également une couleur associée à la guérison, en particulier la guérison émotionnelle et spirituelle. Trouver une plume bleue peut indiquer que vous êtes en train de guérir d'une blessure émotionnelle ou que vous êtes soutenu dans un processus de guérison spirituelle. Elle peut aussi symboliser un flux d'énergie guérissante dans votre vie, vous aidant ainsi, à surmonter des douleurs du passé
ou à retrouver un état de bien-être. Elle est souvent perçue comme un symbole de vérité et de clarté. Elle peut être, eh bien, un rappel de rester fidèle à vous-même et de rechercher la vérité dans toutes les situations. Si vous êtes confronté à une décision difficile ou à une situation confuse, eh bien, la plume bleue peut être un signe que la clarté est en train de venir ou que vous devez vous concentrer sur la recherche de la vérité. Le bleu est également la couleur du ciel, n'est-ce pas ? Et par extension, du domaine spirituel. Une plume bleue peut indiquer une connexion renforcée avec le spirituel. Que ce soit, eh bien, à travers de la prière, la méditation ou l'intuition. Elle peut être un signe que vous êtes soutenu par des forces spirituelles ou que vous êtes appelé à approfondir votre pratique spirituelle. C'est un rappel, n'est-ce pas, de l'importance de maintenir un lien avec le divin ou de cultiver votre spiritualité personnelle. Alors, certaines traditions spirituelles voient la plume bleue comme un symbole de protection divine. Elle peut indiquer que vous êtes sous la protection des anges ou d'autres entités spirituelles bienveillantes, en particulier, n'est-ce pas, lorsque vous traversez des moments difficiles ou incertains. C'est un signe rassurant que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé et protégé. Le bleu est une couleur apaisante qui inspire la confiance et la sérénité. Une plume bleue peut être un signe que vous devez avoir confiance en vous. Oui, avoir confiance en vous-même et en votre chemin. Elle peut vous rappeler de rester serein face aux défis en sachant que tout se déroulera comme il se doit. Cela peut également indiquer, eh bien, que vous êtes en train de développer une plus grande confiance en vos capacités ou en votre intuition. Le bleu est aussi associé à la créativité, en particulier celle qui découle de l'inspiration divine ou de la connexion spirituelle. Trouver une plume bleue peut être un signe que vous êtes sur le point de recevoir de l'inspiration ou que vous devez canaliser, eh bien, votre créativité d'une manière qui est alignée avec votre vérité intérieure. Elle peut aussi signaler que vous devez exprimer votre créativité à travers des moyens qui vous connectent à quelque chose de plus grand que vous. Pour certains d'entre vous, eh bien, si vous trouvez une plume bleue, il est important de réfléchir à ce qu'elle signifie pour vous dans le contexte de votre vie actuelle. Vous pouvez la garder comme un talisman pour vous rappeler d'exprimer votre vérité, de chercher la paix intérieure ou de rester connecté à votre spiritualité. Elle peut également, eh bien, être placée dans un endroit spécial comme un rappel de la protection divine ou de votre engagement à suivre un chemin de guérison et de clarté. En conclusion, eh bien, cette belle plume bleue est un symbole riche en signification, portant des messages de communication, de paix, de guérison, de vérité et de connexion spirituelle. Elle vous invite à exprimer votre vérité, à rechercher, eh bien, la paix intérieure, à vous ouvrir à la guérison émotionnelle et à renforcer votre lien avec le divin. En trouvant une plume bleue,
eh bien vous recevez un signe spirituel qui vous guide vers un chemin de sérénité, de clarté et d'inspiration. Voilà, ces interprétations sont basées eh bien, sur des croyances spirituelles et peuvent varier, n'est-ce pas, en fonction des contextes culturels ou religieux. Chacun est libre d'interpréter la signification d'une plume d'ange selon ses propres sentis et expériences. Eh bien voilà, cette capsule est terminée. Je vous souhaite une lumineuse journée. Prenez soin de vous et pour ma part, eh bien, je vous dis à très vite.